Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver dans ce petit canapé là, ambiance été, ambiance 45 degrés, tard la transpiration. J'en peux plus. Aujourd'hui, on va tester des objets que j'ai achetés sur Amazon. J'ai acheté tout ce qui me semblait drôle et un peu éclaté. On va tester ça ensemble. Et avant de commencer, la vidéo elle est sponsorisée. Elle est sponsorisée par AirUp. Et je vous explique ça tout de suite. Et on est carrément dans le thème puisqu'on est sur quelque chose de plutôt original. Je sais pas si certains d'entre vous sont comme moi, mais j'ai du mal à boire de l'eau. Voilà, je suis pas fan du goût, j'ai pas le réflexe. Alors je sais que je devrais boire plus d'eau. Mon médecin il me le dit tout le temps, bois plus d'eau Maxime, bois plus d'eau, faut t'hydrater. Mais j'arrive pas. Et bah AirUp, c'est une gourde qui va te permettre de t'hydrater d'une manière assez originale, puisque ça va te faire croire que ton eau elle a un goût, alors que pas du tout. C'est dans ta tête que ça se passe. C'est une vraie expérience le bazar. Hein. Et tout ça c'est grâce au principe de la rétro-olfaction. La rétro-olfaction c'est quoi? C'est un procédé qui te permet de détecter une odeur par la bouche. C'est fascinant. Et cette odeur, ce faux goût, eh ben tu l'obtiens grâce à ce petit pod que tu places juste ici. Hop. Et après, c'est parti. T'as énormément de pods disponibles et donc d'odeurs différentes. Là, j'ai quoi? J'ai du pastèque, orangeade, fraise basilic. T'as vraiment énormément de pods différents, mais je vous laisse découvrir ça sur le site. Ils sont même en train de développer choucroute et bouillabaisse en ce moment. Non, évidemment, c'est faux, ce serait pas ouf. Vous avez évidemment un code de réduction qui vous offre moins 15% sur les gourdes avec le code SORA. On est allé à l'essentiel, on a fait simple. Donc si vous voulez tester, évidemment, tout est dans la description. Merci beaucoup à AirUp d'avoir sponsorisé la vidéo, et nous on y retourne. Donc déjà c'est des chaussons. Ça me rappelle mon samedi soir. Comment ça mon ref? C'est des chaussons et vous vous rendez pas compte du poids que ça fait vraiment. On peut assommer quelqu'un avec ça. Tu fais de la muscu en même temps. Gros, après les jambes que t'as. C'est pas n'importe quel chausson. Pourquoi? Je vous explique. On a tous déjà eu ce problème de il fait froid, on met des chaussons. Sauf que les chaussons ne tiennent pas assez chaud, donc on doit prendre d'autres chaussons. Sauf que ceux-là ils nous tiennent trop chaud, donc on doit prendre d'autres chaussons. Et au final, on n'arrive jamais à avoir le bon degré de chauffage de chaussons. C'est des vrais problèmes. Et moi, j'ai la réponse à vos problèmes. C'est des chaussons chauffants. C'est super dur à dire. C'est vrai. Chaussons chauffants, chaussons chauffants, chaussons chauffants, chaussons chauffants, chaussons. C'est vrai. Bref, on va mettre ça au micro-ondes, oui. J'ai très peur de ce que t'es en train de me dire. Mais pas du tout, mais mec, ça va être incroyable. Je suis sûr que ça va être une dinguerie. Je te jure, si ça explose. J'ai oublié que je vais foufer à Webedia, gros. Mais c'est vraiment personne. Alors, je mets 30 secondes. Tu sens qu'on n'est pas rassuré quand même. Je pense que tu sais jamais. Attends, attends. Ah, j'avoue, mais je les mets combien en micro-ondes? C'est pas écrit en fait. Pourquoi il y a de la fumée? C'est vrai? C'est une blague. Oh waouh! Oh non, mais ça brûle par contre. C'est peut-être un peu trop mis. Mais c'est mouillé, je dois mettre mes pieds là-dedans. Oh, oh là, oh mon dieu, quelle horreur. C'est vrai. Attends, quelle horreur. Ah c'est, mec, c'est, ah, c'est, ça pue la mort. L'odeur est infâme. Comment c'est possible que des chaussons aient les pieds qui puent? Oh regarde, les chaussons ils transpirent des pieds, je comprends pas, ils sont vivants en fait. Bref, ça c'est pour tous les fans de pieds. Oh. Ah l'odeur. Oh. Gros, j'ai... c'est affreux. J'ai vraiment l'impression d'être dans un pédiluve. Ah, c'est tout transpirant, c'est tout moite, ça me dégoûte. En plus, regarde, si tu regardes le flow, il y a zéro flow, zéro style. Par contre, les petites billes en dessous, très agréable. Oh mon dieu, c'est terrible. Oh, tu veux sentir mon pied? Non, ça va, t'es ça sûr va. Ouais, je suis pas assez payé pour ça. La vieille trace sur la salle. C'est... Ça gros, mais... dégoûte. Ah, oh, ça lave vachement ça bien. Ça lave vachement bien. Utilise de côté poilu, je pense que ça marche mieux. Oh, il faut que je vire ça. Allez, objet suivant. C'est une carte, mais c'est pas n'importe quelle carte, ok? Parce que c'est une carte indéchirable. Parce que imaginez, voilà, vous êtes à Londres et vous voulez vous repérer. On va te prendre le téléphone. Cette carte, elle est indéchirable. Vous ne pouvez pas la déchirer. Et c'est ce qu'on va tester. Crois-moi que je vais la démonter. C'est une super carte. Oh wow, where I am in the city. I am in London ou quoi là? Petite carte. J'ai entendu un truc là, non? Mais ça a duré une seconde. Mais j'avais beaucoup d'espoir dessus. Ah, peut-être que t'as mal lu quand même. Je suis super déçu. Je voulais me battre avec. Ah, ah. Non, non, bah non, 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 bah non. C'est vraiment le faux espoir. Je suis trop déçu. Ça a beau être une carte, je suis perdu. Je vais quand même aller vérifier sur Amazon. Alors j'ai la description et il y a écrit: c'est une carte réellement indestructible et 100% waterproof. Indestructible. Allez, ça m'a saoulé. Passe à la suite. Cet objet, il est incroyable. Et c'est le seul objet d'ailleurs qui vient pas vraiment d'Amazon. En fait, c'est plus un caprice. Je l'ai vu sur TikTok, partout, vraiment partout. Et je le trouvais pas sur Amazon, du coup je l'ai pris sur AliExpress. Et... je voulais trop tester avec vous. C'est une main d'Iron Man pistolet à Orbeez. C'est incroyable, non? Ok, on va essayer. Alors, j'ai déjà prévu un peu le coup parce qu'il fallait le préparer un petit peu avant. Voici la main d'Iron Man. La main d'Iron Man, la main d'Iron Man. Elle est incroyable. Et écoutez juste le bruit, vous vous rendez pas compte de la violence du truc.
si peur pour ma vie là. Parce que mec, on va tester sur toi. C'était pas dans le contrat. Si, c'est dans le contrat de ouf, t'inquiète. Et du coup, bah, il nous fallait des billes et les billes, il fallait les faire gonfler pendant 24 heures. Ce que j'ai fait, elles sont là, c'est incroyablement satisfaisant. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mon petit bidon d'Orbeez. Ouverture du capot, hop, on met les petites billes à l'intérieur. Je teste maintenant. Oh, ça fait mal ou pas? Ça fouette. Super, c'est génial. Maxime? Eh, fume à ton téléphone. Par contre, ouais, ça en a tiré deux. Je suis mort. Ça fait mal ou pas? Oh, mais ça fait super mal. Ça fouette. Mais ça fait super mal, mec. Ça fait super mal. Ouais. Ok, alors attends. C'est génial. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Le genou. Mais mec, c'est mon jouet préféré. C'est stylé. Mais je veux toute la collection. J'ai vu qu'il y avait aussi le bouclier de Captain America. Je veux tous les collectionner. Avengers Assembly. Comment ça, Avengers Assembly? C'est pas ça? Non, Assemble. C'est ce que j'ai dit. Avengers. Assembly. Prochain objet, ça a l'air incroyable. Tu sais, c'est comme les machines dans les fêtes foraines où tu mets une grosse droite, sauf que là, c'est en petit pour ton doigt. Ça a l'air incroyable. Je peux pas dire, mais la boîte était plus indestructible que la carte. C'est vrai, putain. Ah, mais... Faut des piles. Bah oui, du coup. T'as pas de piles. J'ai pas de piles. Bah du coup, à la base, ça va être ça, là. Et tu fais ça. Je t'avoue que je suis un peu déçu. Après, tu peux aussi l'utiliser comme ça, là. Mais c'est parce que c'est comme les machines. T'as pas trop mal à la main, là. Un peu. J'aime bien tabasser la table à chaque fois que j'ai un colis. Avec ça, on est encore dans le thème des chaussons, des chaussettes. On a des super chaussettes. Déjà, vous pouvez voir qu'elles ont un style incroyable. Non. Elles sont pas très belles, mais elles ont une utilité de fou. Ça vous est déjà arrivé, et ça je le sais, de marcher dans l'eau avec ces chaussettes. Après, t'as les chaussettes mouillées, c'est désagréable, personne n'aime ça, c'est infâme. Ça, c'est des chaussettes waterproof. Vous pouvez marcher dans l'eau, vous pouvez marcher sur l'eau. Elles ne se mouillent pas. La sensation d'avoir un vêtement mouillé, c'est un des trucs que je hais le plus au monde. Donc, on va essayer. Je fais que retirer mes chaussettes aujourd'hui. C'est vraiment une vidéo pour les gens qui adorent les pieds. Est-ce qu'en plus, un pied, c'est pas super moche? Pour moi, c'est la partie la plus moche du corps. On est d'accord, c'est dégueulasse. Je mets ma super chaussette waterproof. Elles ont l'air épaisses de ouf. C'est une armure. On me tire dessus. C'est un gilet pare-balles. Je suis immortel. Et on va mettre de l'eau. Ah ouais, tu mets bien d'eau. Je mets beaucoup d'eau là. Est-ce que t'es prêt pour l'expérience? J'y vais. Vas-y. Rien que l'image me dégoûte. C'est horrible. Est-ce que là, à travers l'écran, vous n'êtes pas tous en train de ressentir cette sensation horrible de chaussette mouillée? Mec, je sens rien. C'est incroyable. La chaussette, elle laisse rien traverser. Je sens aucune eau. J'ai développé un nouveau pouvoir, mec. En même temps, la chaussette fait 15 kilos. C'est vrai. Regarde. Attends, je vais mettre les deux du coup. Allez, écoutez, à part le fait que ces chaussettes, elles sont pas très belles et qu'en plus, elles font vraiment l'équivalent de 8 pulls, en vrai, tu l'utilises pour un sport extrême, c'est archi pratique. Franchement, c'est validé. Cet objet-là, il a une histoire, ok? Il fait très chaud en ce moment, vous l'avez tous remarqué. On n'a pas tous la chance d'avoir un jacuzzi, d'avoir une piscine, même d'avoir une baignoire. C'est une baignoire gonflable. Je vais gonfler une baignoire à Webedia. On va l'installer sur la terrasse et je vais me baigner à l'intérieur. Et on va voir si c'est bien. Elle a l'air immense. Ok, y'a rien d'autre? Tu lis pas du tout là? Non, en effet, je les ai pas du tout. Spread the bathtub in a flat and clean place. Oh, c'est des mots, je les ai jamais vus. Spread, ça veut dire quoi spread? Ça veut dire écarté. Sérieux? Ou étalé. Oui. Comment tu sais ça? Pour des raisons... Oh, Ok, donc on va étaler la baignoire. Pendant vraiment 10 secondes, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et après, j'ai compris. Okay. Oh là là, mais ça va être incroyable, cette expérience. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais ça va être incroyable. Frère, j'ai cru qu'il y avait pas de bouton on-off. Wow, let's go! C'est incroyable, on m'entend plus. C'est génial. On a changé de stratégie, je faisais pas les choses bien, ça aurait pu durer très longtemps. Bref, on a fait ça autrement et maintenant ça fonctionne, c'est incroyable, on continue. Ah mais il y a plusieurs étages. Mais oui. Oh là là, il y a 3 étages. Il y a 3 étages. Non. Non. Même la baignoire, elle a soupiré. Même la baignoire, elle a dit, eh, frère, j'en ai marre. Et voilà, notre baignoire. Gros, c'est... Attends, c'est pas... Ah mais c'est pas fini. Y'a encore... Attends, c'est en train pas... de t'étouffer là quand même. Non, je suis en train de me battre avec la vie.
Tout ce que j'ai essayé n'a servi à rien, ça n'a pas marché. J'arrive pas à gonfler le fond de la baignoire, j'en peux plus. Elle est en train de gagner. Pour moi, c'est devenu moi le cadreur, et toi, celui qui gonfle la baignoire. Après quelques minutes assez rapides finalement, voici la baignoire. Ce serait mieux quand on sera dehors. Allez, hop là, on y va. Viens avec moi, toi. Prochaine étape, la ramener sur la terrasse. Et là, vous allez vous poser la question, comment est-ce que tu vas la remplir la piscine? Au début, je me suis dit, je vais faire ça avec des verres d'eau. Un peu long. Et après, je me suis dit, je vais trouver l'arrivée d'eau de Webedia, prendre un tuyau, me raccorder à leur arrivée d'eau et voler leur eau pour la mettre dans ma baignoire. C'est ce qu'on va faire, mec. Je vais me raccorder grâce à ce tuyau et remplir ma baignoire. Moi, je viens d'y penser, mais ce sera pas de l'eau chaude. Ça, c'est ton problème. Ok. C'est raccordé. Oh merde, oh merde. Oh merde. On part sur une vidéo jardinage. Attends, je suis en train d'arroser les plantes, là, ok. Ça me fait plaisir. Un peu moi aussi, par la même occasion. Ça risque d'être peut-être un peu long. Bon. Voilà la piscine, elle va exploser frère, on a peut-être rempli un peu trop. Écoutez, il est temps de l'ouvrir et vous puissiez découvrir tout ça. Je suis trop fier. Tadam ! On dirait une cuve pour 11 dans Stranger Things. En fait, à la base, je pense que je devais m'arrêter là. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y avait une ligne. Non, il n'y avait pas de texte, moi je sais que lire. C'est vrai qu'il n'y avait pas de texte. Bon, je vais pas la tester habillée évidemment. Du coup, je vais me changer en maillot de bain et on teste ça tout de suite là. Alors, on y va. Je me change, je me dépêche, j'arrive. C'est bon, je suis prêt. Maxime, t'es sûr de toi là? Bah, il est génial mon maillot de bain, non? Il est très stylé, mais je suis pas convaincu. Putain, je savais. Pourtant, j'ai pris du temps à le choisir, hein? Ouais, j'ai vu. Et voilà, on est en vacances ou quoi là? Parfait, allez, on y va là. Oh mec, ça va être infâme. T'es sûr que tu veux pas aller à ma place, hein? Non, ça va. T'es sûr? Ouais, sûr. Oh, ça va être horrible. Ah, mec, c'est. Putain, c'est horrible. Ah, il fait froid. Ah, il fait trop froid. Là, c'est très dur, ça. Non, le plus dur, c'est le PDC. Ah là, quoi? Le PDC. Le PDC? Ouais. Le PDC, c'est vrai que c'est le plus difficile. Ouais. Tu sais quoi? D'un coup. Tu sais quoi? J'y vais d'un coup, il n'y a aucun problème, regarde. Aucun problème. Aucun problème. Wouh! Je me suis jamais mis dans une aussi froide de toute ma vie. Ça fait du bien, hein? Je prends du plaisir à fond, là. Avec cette baignoire, bien-être garanti. Vous avez une petite planche pour mettre votre petit téléphone, là. En faites pas ça. Et si vous êtes un peu plus dit qu'un peu timide et que vous voulez vous cacher... Ça marche. C'est un peu difficile, mais quand on y arrive, ça marche bien. Pourquoi est-ce que tu me fous la route comme ça? Rigole pas. Ah, je rigole pas, j'observe. Tu peux pas passer la caméra et me... Et voilà. Alors, par contre, le petit coussin là, ce truc, c'est incroyable. Mes gars, là, je suis au max. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est sur un quartier parisien typique. Puis là, on a ça. Ça va? Quoi? Ça va? Quoi? Ok. Est-ce qu'on se rend compte de la situation là? C'est très grave. C'est très grave. Par contre, je vais vous mentir, je commence vraiment à avoir froid là. J'ai récupéré ma serviette. Putain, j'ai super froid. Gros, j'ai le tellement vent. Froid. Le vent. Ah, le vent, gars. Pas obligé de tout filmer non plus, hein. C'est trop. Mais laisse-moi tranquille. Pas. Ferme cette porte là. Le prochain objet, il n'y a pas grand chose dans le carton, je vais pas vous mentir. Ce sont des paillettes pour barbe. Oh, ça va être un enfer. Je vais en foutre partout, je peux vous dire que... Regarde, il y a déjà des paillettes. Comment c'est possible? Je vais prendre mon petit miroir. Je commence par quelle couleur? Rose. Ok. Oh mec, ça va être un carnage. T'es sûr que tu veux le faire comme ça? Je vais faire comment? Je mets mon doigt et après je me tape dessus. Oh, je vais faire comme ça. Ouais, c'est mieux, hein. Moi, je l'aurais renversé, hein. Ah, oh, tu vois. Oh là 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 là. Ouais. C'est déjà un cauchemar. Par contre, je vais être hyper stylé, là, hein. Ouais, la table aussi va être stylée. Je me pose juste la question, dans quelle occasion tu te mets des paillettes sur la barbe? Si tu vas en festival, si tu vas en soirée, genre techno, des trucs comme ça. Ouais, festival, ouais. Prochaine couleur, le vert. Le vert est pas mal, hein. Oh là 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 là. J'ai un autre tournage après, hein. Pour retirer ça, mon gars. On dirait un peu du curry. Eh bah, super. Oh, le jaune, c'est pas mal, hein. On a un truc, hein. Oh putain, quand je bouge, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mec, pour enlever ça, faut pas y penser. Orange, mec, plus fluo que ça, tu meurs. Oh là 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 là, l'orange, gros. On dirait un Power Rangers malade, un peu, tu vois. La moustache bleue, du coup? Ah ouais, la moustache bleue. La cerise sur le gâteau. Ouais, ça va pas comprendre pourquoi on trouve des paillettes partout chez nous. On dirait vraiment les flics dans les vieux films américains, genre avec la grosse moustache épaisse. Ouais, c'est grave. C'est très grave ce qui se passe là, quand même. Très grave. C'est très très grave. Hein. Par contre, je suis un flic, mon gars. Là, Lula Palooza. Boum, 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 boum. Tu peux arrêter, tu peux arrêter. Je. Oh là là, mon pantalon. Oh là là. Oh, peu importe où je mets mes mains, mec. Mais peu importe ce que je fais, en fait.
Je pense que c'était une erreur. T'en penses quoi, toi? Je pense que... Non, reste loin. On passe donc au prochain objet. Arrête, s'il te plaît. Je sais, c'est dur de me prendre au sérieux, mais au moins, bien, on fait semblant, genre. Je fais semblant. On fait semblant. Le prochain objet, j'ai beaucoup d'attentes dessus, parce que je me dis, ça peut être hyper pratique. Vous êtes dehors, en camping, avec votre meuf, avec votre gars, vous faites un pique-nique, je sais pas, vous avez froid. Et bah, vous avez une couverture portable. Mec, elle est minuscule. Elle est toute petite. Et apparemment... Mais c'est pas une couverture, c'est une nappe. C'est genre si t'as froid au pied à la limite. En fait, je m'attendais vraiment à ce qu'elle se déplie et que ce soit une couverture genre immense. Je me suis dit, c'est ça, c'est la vraie technologie. Mais est-ce que t'as chaud avec? Est-ce que avec tu peux au moins essuyer tes larmes de seum? Allez, on passe au prochain objet. Attention, il faut que je te couvre! Cet objet, il est fait pour l'été. Il est fait pour les périodes de grosse chaleur qu'on a en ce moment. C'est une casquette. Mais pas n'importe quelle casquette, vous allez très vite comprendre. Ça, c'est vraiment une ouverture facile, tu vois. C'est une casquette avec une hélice. C'est un petit ventilateur portatif et ça marche à l'énergie solaire. Comme ça, vous avez même pas besoin de la recharger. Ça peut être hyper stylé. On va essayer. Ok, normalement, on l'a laissé un peu charger au soleil. Donc normalement, si je lance le ventilo, il continue de tourner. Alors par contre, mec, ça marche vraiment. Regarde, c'est incroyable. Attends, je vais essayer. J'ai toujours mes paillettes sur la barbe. Hein. Toujours. Bah, super. T'as toujours un maximum de style. Montre-toi de profil un peu, parce que quand même, une casquette dont la visière fait 5 km. On peut faire atterrir un avion dessus. Est-ce que je me rafraîchirai pas finalement? Allez. Ça marche de fou, hein. Mais est-ce que ça te rafraîchit par contre? Je me sens aucun vent. Je sens rien, gros. Un peu de la merde. Peut-être que c'est parce que je suis dehors. Mais c'est censé se recharger à l'énergie solaire. C'est vrai. Mais c'est de la merde alors, mec, c'est super nul. Pourtant, je la vois tourner, tu la vois tourner? Ouais, elle tourne, hein. Mais je la vois juste tourner. Eh ben super. Il y avait un truc pourtant. Mais non. Et non. T'es beau. Ah, je me doute que c'est une catastrophe. Hein. Moi, c'est la moustache bleue. Hein. C'est toujours... toujours le même problème, finalement. On passe à l'objet suivant. Le dernier objet, je vous avoue, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Je comprends même pas l'utilité du truc, mais la tête de la meuf, dessus, elle était marrante. Apparemment, de ce que j'ai compris, c'est un truc pour te sécher les cheveux ou te faire des boucles ou je sais pas quoi. Après, je me dis, tu peux utiliser ses cheveux directement sur toi aussi, mais c'est marrant. Du coup, on va essayer. Mais si tu dois te sécher les cheveux, ils doivent pas être mouillés d'abord. Eh ouais, tu vas pas commencer à... Pourquoi il y a une trompe? Je sais pas. C'est pour mettre le sèche-cheveux. Ouais, j'ai peur. Ça rentre, ça? Ah ouais, ça rentre, ok. Donc ça, tu le mets dans ce bout là. Et ça, du coup, je suis censé le mettre sur la tête. Attends. Et là, on est bien. J'ai très peur. T'imagines, t'es dans ton salon, t'es posé sur ton canapé et t'entends ta meuf qui sèche les cheveux depuis 5, 10, 15 minutes. Et t'as un rendez-vous, tu dois te dépêcher, vous êtes en retard. Tu vas dans la salle de bain et tu vois ça. Ta tête, elle a gonflé. Mais ça tient pas! Peut-être c'est comme ça, hein. Je réessaye encore. Deuxième tentative. Là, je le serre à fond, là. Attends. C'est terrible. J'arrive pas à le tenir! Attends, là, parce que là... Attends. Mais j'en ai marre de cette vidéo, là! Putain! Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter un truc là? Non. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'il est temps de... Oui, là, il est temps. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. J'ai donné de ma personne, là. Sacrifié, ta personne. Je me suis investi très, très fort. Très fort. Si jamais ça vous a plu, le petit pouce bleu, vous connaissez, le petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Et encore merci, évidemment, à AirUp d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous rappelle que vous avez moins 15%. Alors, n'hésitez pas à aller checker, c'est en description. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors, souriez, c'était Sora. À très vite. Au revoir.